eSports avec Adidas et SFR vous présente FIFA 10, le championnat des pros. Place aux demi-finales avec une première affiche qui promet d'être spectaculaire. Deux attaquants s'affrontent, Oaro défie Odell. Le Parisien est encore invaincu dans ce tournoi, un nul et trois victoires, mais une qualification compliquée contre Mavouba en quart de finale, victoire 1-0. Le bilan est semblable pour Odell qui a les mêmes statistiques et qui s'est également qualifié pour cette demi-finale dans la douleur en battant Eduardo 1-0. Allez, c'est parti. Eh, doucement, vas-y doucement, t'as vu, round d'observation déjà. Mm-hmm. Et toi t'es chaud, hein. Mais toi je suis sûr ils ont boosté tes joueurs. Comme par hasard. Les joueurs parlent beaucoup, mais ils sont efficaces. Regarde, la preuve. Ils ont boosté tes joueurs. Au fond. Regarde. Ah, ils ont non, pas ils ont boosté. Non, ils ont boosté ces joueurs. T'es un fou. Tu prends les Cristiano Ronaldo, Kaka, et tu dis que ce sont mes joueurs qui sont boostés. T'es un ouf, toi. Voilà. Là, ça bat, check. Allez, va prendre tes photos. Attends, je cherche l'appareil photo. Non, il n'y a pas. Bon, laisse. Laisse, on va prier. Un partout à la demi-heure de jeu, le spectacle est au rendez-vous. Chaque attaque est une occasion. Tiens aussi, toi. Comment tu peux mettre des buts comme ça? Non, mais comment tu peux mettre des buts comme ça? Il est chaud. Hein. Il est chaud, Cristiano Ronaldo. Il est même inarrêtable. Fais gaffe, il est chaud. Fais gaffe, il est chaud. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il prie aussi. Non, là, on est en mode prière. Et les prières portent leurs fruits. Le Real passe en tête pour la première fois du match. Eh, hey, mon petit. Oui, c'est lui. C'est lui-même. Kaka donne l'avantage au Real, mais dans ce match fou, Chelsea est encore vivant. Putain, c'est un truc de fou. Bon, allez, la prolongation. Et en prolongation, on retrouve Cristiano Ronaldo, encore lui. Ah, putain, il est là, petit. Il est là. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ok. Ça suffit. Chelsea jette ses dernières forces dans la bataille, mais laisse des espaces en contre. Oh, bien joué, franchement, bien joué. Chapeau melon. Chapeau. J'ai trouvé mon maître. C'était cool. Bon, ben écoute. Ouais, merci. Ben, gros. Bien, bon match. Je pensais vraiment perdre, tout simplement. Mais voilà, on a su réagir avec le Real. Bah, encore une fois, Cristiano Ronaldo, il a fait la différence. Triplé. Et voilà. Donc, ouais. Maintenant, moi, je suis en finale. Et en finale, Johan Odell affrontera soit Moussa Sissoko, soit Michael Siani, deux joueurs qui s'étaient d'ailleurs déjà rencontrés en phase de poule. Siani s'était facilement imposé 4-2, une défaite qui n'a pas empêché Sissoko de se qualifier. Michael Siani, lui, a réussi le parcours parfait, 3 victoires en poule et un succès 4-0 en quart de finale. Bon gros, bon match. Ouais, toi aussi. Allez, me déconcentre pas là. Non, c'est pas comme ça là. Et le début de match est en faveur de Sissoko et de Chelsea. Il a un jeu relou, j'arrive pas à jouer contre lui, putain, merde. Drogba, oh. Ah ouais. Ça, Chelsea, ils sont efficaces, hein. Battu en poule, Sissoko n'a pas fait de complexe et il se montre très réaliste. Oh. Anelka. Ça plombe là, y'a quoi? 2-0, puis 3 juste avant la pause, le Real n'est pas dans le coup. Oh, Drogba. Il me fout, il me tue. Il est en train de me tuer là. Tu fais quoi? Tu veux me laisser prendre le large et après genre revenir ou. Siffle la mi-temps là. T'as eu peur ou quoi? Vas-y quoi? Ah bah un but avant la mi-temps là, c'est pas bon. À la pause, Chelsea a un avantage conséquent, mais le Real n'a pas dit son dernier mot. Oh! Hors-jeu. Ah, ouf! Parce que là, il dit dans les premières minutes, c'est pas bon! Faut que tu marques là. Et à force de pousser, le Real va marquer, mais à seulement 10 minutes de la fin du match, il est peut-être trop tard. Ça sert un peu à rien celui-ci. Hein. Et la dernière occasion sera pour Chelsea. Toi, tu t'es amélioré depuis la dernière fois. Hein. Ouais, félicitations, gros. Vas-y, merci. Ouais, je pensais que ça allait être plus difficile que ça parce que j'avais joué contre lui chez Dédé et
voilà, j'avais vraiment souffert. Ben là, aujourd'hui, je sais pas, peut-être que... qu'il était pas dedans ou c'est moi qui étais vraiment, vraiment au-dessus de lui. Et voilà, j'ai remporté 3-1. Je suis content d'arriver en finale. Maintenant, voilà, il reste un match et j'espère l'emporter. Hein. On connaît donc le tableau complet de ce grand tournoi. Johan Odell et Sissoko se disputeront le titre de champion. Une finale qui se déroulera prochainement sur le plateau de Téléfoot.